Depuis 4 ans, une section parcours s'illustre au sein du club de gymnastique de Arne. Ce sport, créé dans les années 80, pratiqué aussi à l'extérieur, consiste à franchir des obstacles sans matériel, rapidement et avec style. Ici, une trentaine d'adhérents viennent de reprendre l'entraînement de manière individuelle. Ça veut dire qu'on invente notre propre parcours. On invente notre propre sport. Donc à la base, c'est un sport de franchissement d'obstacles, de surpassement de soi-même surtout, de sauts, des saltos, tout ça. Et là maintenant, tout le monde crée son propre parcours. Se l'approprier, maîtriser les risques tout en construisant ses enchaînements, appelés line, temps de travail qui a permis à Sébastien de décrocher cet été la 3e place du tout premier championnat de France de la discipline. Ça s'est vraiment bien déroulé et on a été jugé justement sur tous les modules, c'est-à-dire il y avait différentes zones, zone A, B, C, de manière à justement gagner des points. Il fallait par exemple effectuer un salto arrière, salto avant, le costal et la créativité aussi surtout. Je voudrais vraiment travailler là-dessus parce que c'est ça qui donne vraiment la petite touche finale, je dirais. Une touche finale que recherchent ses compétiteurs dans un club qui propose de s'initier à partir de 8 ans. Pour une adhésion loisir, il faut débourser 48 euros auprès de la fédération de gym, plus 90 euros pour le parcours, soit 138 euros au total. Sans oublier l'aide de l'agglomération. En fait, c'est tout simple, il suffit de s'inscrire, on met l'âge, on marque bien « veut faire de la gym », on marque le club et ensuite, grâce à ça, on peut avoir 30 euros de réduction grâce au pass de la cale. Pour 108 euros donc, vous apprendrez à sauter d'une bordure, grimper sur un mur, vous réceptionner. Pour Fantine, 17 ans, venue de la gym, le premier cours donne de l'espoir. En vrai, ça me plaît, je pense continuer. En fait, les entraînements, ils étaient mixtes. Et à force de voir aussi les garçons faire des choses et tout, ça m'a un peu tenté et j'ai voulu essayer. Pour essayer vous aussi le parcours, rendez-vous à la salle Bigotte de Arne. N'hésitez pas à y faire un salto tous les jeudis soirs et samedi après-midi.